Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, on va commencer à démarrer ce live donc sur la conférence Décrypte-moi l'Europe, sur la présidence française du Conseil de l'Union européenne, son bilan, et sur la présidence tchèque qui est en cours, un petit peu ses priorités, son bilan à mi-mandat également, puisque sa présidence a commencé déjà depuis juillet, début juillet. Donc en réalité, on va plutôt faire un bilan à mi-mandat de cette présidence. Aujourd'hui, on retrouve avec Madame Caroline Vino. Bonjour Madame Caroline Vino, secrétaire générale adjointe des affaires européennes, voilà, chargée du pôle protection frontières et justice. Et avec Monsieur Thomas Chobrak, donc premier secrétaire de l'ambassade de la République tchèque en France. Voilà, donc merci à vous de nous rejoindre aujourd'hui, de nous faire l'honneur de votre présence et de pouvoir nous expliquer un petit peu la présidence française et la présidence tchèque, les deux bilans, un petit peu, bilan à mi-mandat et bilan en fin de mandat pour la présidence française. Cette réunion a été organisée voilà, par l'Europe Direct Provence-Alpes-Méditerranée. Qu'est-ce que c'est qu'un Europe Direct? Ben, c'est très, très simple. En réalité, c'est un petit peu les entités qui font le lien entre vous, les citoyens, et puis la Commission européenne. Voilà, à savoir que nous sommes le relais officiel de communication de la représentation en France de la Commission européenne. On organise tout ce qui est des sessions d'information, intervention, que ce soit auprès des étudiants, même dans les écoles, des écoles primaires jusqu'aux universités, donc très large, et on fait tout, on essaie de créer du lien en réalité entre les citoyens et puis la Commission européenne. Je tenais aussi à remercier tout le réseau Europe Direct, donc que ce soit les centres Europe Direct qui ont accepté de cross-porter cet événement et aussi des centres de documentation Europe Direct qui ont accepté aussi. Donc je vous remercie encore une fois. Et nous allons sûrement commencer cette conférence avec la première partie qui se basera sur la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Faire le bilan. À savoir, voilà, je vais placer quelques éléments de contexte, à savoir qu'il y a eu la guerre en Ukraine qui est apparue durant cette présidence. Un événement qui est arrivé très très proche de nous, c'était hier ou avant-hier. Voilà, il y a l'huitième aussi paquet de sanctions qui est arrivé à l'encontre de la Russie. C'est un petit peu tout ce cheminement jusqu'à ce huitième paquet de sanctions qui fait écho à l'actualité. Donc on voit que depuis, sous les deux présidences, on a continué à agir face à cette crise qui est venue bouleverser un petit peu l'agenda prévu par la présidence française. Mais ce conflit a un petit peu rappelé aussi l'importance de l'autonomie stratégique voilà, qu'on doit essayer d'atteindre pour l'Europe et aussi l'indépendance énergétique, avec tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui sur le gaz et les énergies. On va aussi parler de la boussole stratégique, voilà, qui est aussi un nouvel élément qui est apparu durant cette présidence. Mais il faut savoir que voilà, malgré l'urgence et malgré un petit peu la concentration de tous les efforts de l'Union européenne sur cette crise à l'est de l'Europe, voilà, ça n'a pas empêché la France d'avancer sur d'autres sujets. Voilà ceux qui étaient prévus à l'agenda et qui sont au cœur des préoccupations des Européens. Donc, ce soit ben, l'environnement, donc on pense notamment aux mécanismes de taxes aux frontières, voilà, ou au numérique aussi, réguler un petit peu les géants du numérique actuel, l'économie et le social. On a vu apparaître le salaire minimum pour tous les États membres, enfin dans chacun des États membres. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites malgré cette concentration de l'attention sur la guerre en Ukraine, et je laisse la place du coup à Madame Caroline Vino qui sera plus à même d'en parler. Voilà. Encore merci de nous avoir rejoints et je vous laisse la parole. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. J'espère que vous m'entendez bien. Alors oui, nous on vous entend bien, de notre côté.
Alors, j'espère que, comme je vous le disais, je suis un peu enrhumée. Donc, j'espère que ça ne s'entendra pas trop pendant cette discussion. Merci pour cette introduction. Effectivement, vous l'avez indiqué, l'Europe aujourd'hui n'est plus tout à fait la même que celle dont la France a pris la présidence, en tout cas la présidence du Conseil, lorsque cette responsabilité nous est issue, donc début 2022. Le continent a beaucoup changé, l'Union européenne a beaucoup changé, et je crois que c'est important effectivement ce que vous avez dit. C'est-à-dire que d'une part, il a fallu répondre à la crise. Alors, on sait tous, hein, et mon collègue tchèque ne me contredira sans doute pas, on sait tous depuis assez longtemps quand même que une présidence de l'Union européenne, c'est beaucoup de la gestion de crise, hein. Ça fait plusieurs cycles, et déjà en 2008, c'était le cas, la crise financière, la Géorgie. Bon. Et finalement, l'Europe a continué de se construire dans les crise. Donc nous étions tous, je dirais, tous ceux qui étions impliqués dans la préparation de ces 6 mois, préparés à cela, mais sans doute pas à une crise de cette intensité qui a été en réalité une déflagration, un tournant historique sur le continent, puisque la guerre en Ukraine marque le retour de la guerre sur le continent européen, et donc ébranlait à beaucoup d'égards, hein, des certitudes et comment dire, la conscience que nous avions d'être sur un continent en paix et stable et sécure. Et donc il a fallu, et je crois que c'est sans doute un des faits marquants de cette présidence, répondre à l'urgence, répondre à la crise, répondre avec beaucoup de rapidité, mais aussi de détermination, et toujours chevillé au corps, si je puis dire, de l'ensemble des responsables durant cette crise, des responsables européens, bien sûr, des responsables français, la conviction, l'impératif, je dirais, notre boussole, qui était de répondre d'une manière forte, avec une détermination totale et une unité sans faille. Et je crois que ça, c'est vraiment un élément très fort de ce qui a permis cette réponse très forte de l'Union européenne au conflit en Ukraine. Et en même temps, vous l'avez dit, et je reviens, c'était votre introduction, tout en assurant cette réponse très déterminée au conflit en Ukraine, eh bien, nous nous sommes attachés à poursuivre sur la mise en œuvre de nos priorités, de notre agenda de la présidence, et à travers la poursuite des négociations sur tout un tas de sujets qui n'étaient pas directement en lien avec la guerre en Ukraine, dont certains pouvaient être impactés, mais en tout cas sur lesquels nous avons vraiment souhaité continuer d'avancer. Donc je dirais peut-être en termes de bilan, ce qui, à mon sens, caractérise cette présidence, c'est à la fois le conflit en Ukraine et la réponse très déterminée et très unie que nous avons cherché à y apporter, d'une part, et en même temps le déroulé de cet agenda et de ses priorités de la présidence. Peut-être, avant de commencer dans la substance ou de continuer sur la substance, je pourrais dire un tout petit mot du secrétaire général des Affaires européennes, où j'officie, vous l'avez dit, comme le secrétaire général adjoint. Le secrétaire général des Affaires européennes est un service du Premier ministre dont la responsabilité est de coordonner les positions des ministères français dans l'élaboration de la position ou des positions de négociation de la France. Et donc le secrétaire général informe les ministères sur l'état des négociations en cours à Bruxelles. Nous sommes l'interface entre la représentation permanente de l'UE, de la France auprès de l'UE à Bruxelles, et l'ensemble des administrations françaises. Donc, nous diffusons l'information sur l'état des négociations et nous consolidons
les propositions de positionnement des ministères français dans ces négociations. Et sur cette base, alors nous arbitrons lorsqu'il y a des arbitrages à rendre en cas de divergence entre les positions des ministères. Et sur ces bases, nous instruisons, ou le SGAE instruit, la représentation permanente de la France des positions qu'elle doit tenir dans les négociations à Bruxelles sur l'ensemble des sujets. Donc effectivement, le SGAE était un des éléments de cette chaîne, je dirais, de préparation de nos positions de négociation et de cette chaîne décisionnelle dans la préparation et la conduite de la présidence française de l'Union européenne, en lien avec l'AFP, en lien avec les ministères et bien sûr en lien avec la présidence de la République et le cabinet du Premier ministre, la Première ministre. Alors, quelques éléments de bilan de cette présidence. Donc, premièrement, une réponse forte et unie face à l'agression de l'Ukraine. Alors, sous la présidence française de l'UE, nous avons, l'Union européenne a conduit un certain nombre d'actions. Premièrement, donc, l'accueil des réfugiés. Nous avons accueilli près de 8 millions de réfugiés ukrainiens au sein de l'Union européenne et nous nous sommes attachés à très vite proposer, à faire adopter la mise en œuvre de la directive, l'activation de la directive sur la protection temporaire au profit des réfugiés ukrainiens qui donne accès aux réfugiés ukrainiens, un accès total à l'éducation, à l'emploi et à la protection sociale, le temps de leur présence. Et nous avons plusieurs millions de personnes qui bénéficient de cette protection temporaire sur le sol européen. L'Union européenne a aussi apporté un soutien militaire à travers une mobilisation de la Facilité européenne de paix pour plus de 2 milliards d'euros. Les États membres ont financé des équipements fournis à l'armée ukrainienne pour lui permettre donc de répondre à l'agression de la Russie. Nous avons soutenu l'économie ukrainienne et nous continuons bien sûr avec une assistance macro-financière de 2 milliards d'euros qui a été adoptée tout de suite et puis une seconde assistance macro-financière de 9 milliards d'euros qui a été adoptée assez rapidement au cours du printemps et que nous sommes actuellement en train de mettre en œuvre par tranche de déboursement successifs. Et puis, bien sûr, il y a eu une mobilisation massive de l'aide humanitaire européenne. C'est plusieurs centaines de millions d'euros. Et si on met ensemble tous les moyens de l'Union européenne et des États membres, on est à près de 2 milliards d'euros d'aide humanitaire. Alors, il y a eu, comme vous le disiez, une réponse très importante en termes de sanctions. Nous avons, sous présidence française, adopté 6 paquets de sanctions. Dans le courant de l'été, il y a eu un 7e paquet, donc au mois de juillet, et un 8e paquet qui a été adopté, comme vous le disiez, hier. L'objectif étant donc d'affaiblir l'économie russe, non pas le peuple russe, mais l'économie russe, de manière à priver la Russie de ses sources de financement de l'effort de guerre. Nous avons bien sûr apporté un appui très important sur le plan judiciaire pour aider les Ukrainiens et la communauté internationale à lutter contre l'impunité dans le cadre du conflit en Ukraine. Donc c'est à la fois une modification du règlement Eurojust, un appui financier et logistique très important à la CPI, mais aussi aux équipes d'enquête sur le terrain. Et puis, bien sûr, il y a eu un geste politique extrêmement important, puisque lors du Conseil européen du mois de juin, l'Union européenne, les chefs d'État et de gouvernement ont accordé le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne, à l'Ukraine et la Moldavie, et sous des réserves qui doivent faire l'objet de travaux dans les semaines et les mois qui viennent, potentiellement à la Géorgie également. Et enfin,
le président, pendant la présidence française de l'Union européenne, a proposé, a lancé avec ses partenaires européens ce grand projet d'une communauté politique européenne qui s'est réunie hier à Prague. Je laisserai mon collègue tchèque nous en parler. Mais dans cette idée vraiment de renforcer la solidarité sur le continent européen, au-delà de l'Union européenne elle-même. Alors ça, c'est pour la réponse au conflit en Ukraine, mais comme vous disiez, comme je le rappelais, la présidence française, c'était aussi donc des priorités, et parmi ces priorités, il y en a certaines qui sont vraiment entrées en résonance avec le conflit en Ukraine, et je pense en particulier à ce qu'on appelait l'agenda de souveraineté européenne, qui était une forte priorité de la présidence française, et que nous avons notamment proposé aux partenaires avec le président du Conseil européen dans le cadre du sommet de Versailles qui s'est tenu donc à Versailles les 10 et 11 mars, et qui a permis finalement aux chefs d'État et de gouvernement de se mettre d'accord sur un certain nombre de décisions assez importantes pour renforcer l'autonomie stratégique européenne. Alors en particulier sur trois secteurs, donc le secteur de la défense, hein, les Européens se sont mis d'accord pour renforcer nos capacités de défense, ce que nous avons ensuite décliné lors du Conseil européen extraordinaire du mois de mai et à nouveau en juin, avec une priorité accordée à d'abord une mobilisation très importante des financements des États membres et de l'Union européenne. Pour travailler sur trois axes en matière de renforcement de défense européenne. La question de la boussole stratégique, bien sûr, donc qui va bien au-delà des aspects financiers, c'est-à-dire se doter finalement d'une doctrine commune en matière de sécurité et de défense européenne. Et puis, renforcer l'industrie de défense, à la fois avec un instrument d'acquisition conjointe, donc sur laquelle nous sommes en train de négocier à Bruxelles, et puis un instrument destiné à favoriser les investissements conjoints dans l'industrie de défense européenne. Dans l'agenda de Versailles, il y avait aussi la priorité de renforcer l'autonomie énergétique de l'Union européenne. Et de ce point de vue, des décisions ont été préparées sous présidence française. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la présidence tchèque qui pilote avec beaucoup de détermination cet agenda. Et je pense que notre collègue en parlera. Et puis, il y avait bien sûr dans l'agenda de Versailles la construction d'une base économique plus solide, plus résiliente, avec un agenda de souveraineté sur les produits alimentaires, les questions de santé, la question des matières premières critiques ou les semi-conducteurs sur lesquels les négociations ont pu se poursuivre. Alors, comme on le disait, hein, en dépit ou en parallèle à la mobilisation dans le cadre du conflit en Ukraine, on a donc continué d'avancer sur toutes les priorités de la présidence française et en particulier sur les éléments clés de notre dispositif. Donc il y avait l'agenda de souveraineté, l'agenda d'une Europe plus verte, la priorité numérique, la priorité sociale et puis ce qu'on appelait une Europe plus humaine. Alors, je vais détailler un tout petit peu et assez rapidement sur ces différentes priorités. En matière de souveraineté, la priorité de la présidence française était de renforcer la capacité de l'Union européenne à maîtriser ses frontières. Alors, c'est un domaine qui est plus directement en lien avec mon portefeuille OSGAE. Mais donc, nous avons, pendant la présidence française, renforcé le pilotage politique de l'espace Schengen avec la création d'un Conseil Schengen, dont la prochaine édition, d'ailleurs, se réunira la semaine prochaine à Luxembourg dans le cadre du Conseil Justice Affaires Intérieures. Alors, dans ce contexte, l'objectif, c'est vraiment de renforcer la confiance entre les partenaires,
au sein de l'espace Schengen avec un mécanisme d'évaluation renforcé. Donc nous avons abouti ou fait aboutir la négociation de la révision du règlement sur l'évaluation Schengen, mais aussi une meilleure gestion de nos frontières extérieures avec une révision du code frontière Schengen. Nous avions à cœur, et de ce point de vue, il y a eu des avancées importantes, de mieux répondre aux flux migratoires vers l'Union européenne, avec des négociations qu'il a fallu faire progresser sur le pacte de la migration, sur l'asile, enfin le pacte migration et asile. Et de ce point de vue, nous avons, avec l'ensemble des partenaires européens, pu faire progresser ce paquet, pacte migration-asile, avec notamment, sur le plan législatif, deux textes sur lesquels nous avons eu un accord au Conseil, donc le règlement sur le filtrage et le règlement Eurodac. Et en parallèle, les partenaires européens se sont mis d'accord sur un mécanisme de solidarité pour faire face ensemble aux flux migratoires. Alors, il y a, je le disais, hein, dans l'agenda de souveraineté, la défense européenne, sur laquelle des progrès très importants ont été faits. Et puis également, dans le domaine des relations extérieures, des priorités, notamment de faire progresser, de renouveler le partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique, avec une réunion importante qui s'est tenue pendant notre présidence. Deuxième priorité, l'Europe plus verte. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de permettre à l'Union européenne de poursuivre dans sa voie pour devenir, comment dire, championne, hein, sur le plan économique, et en même temps de concilier cette ambition économique avec une ambition climatique élevée. Alors, plusieurs acquis dans ce domaine, donc l'adoption du paquet climat, hein, pour la réduction des émissions de 55% d'ici 2030, la mise en place de normes de production identiques et l'instauration de mesures miroirs, une réorientation de la politique commerciale européenne pour renforcer les exigences environnementales et sociales dans nos accords commerciaux. Un instrument européen de lutte contre la déforestation importée. Nous avions là aussi des projets que nous avons pu faire progresser pendant notre présidence. Et puis, d'une manière générale, renforcer la transparence de la politique environnementale et sociale des entreprises. Ça, c'était un point sur lequel nous étions aussi très mobilisés. Troisième priorité, donc l'Europe numérique. Il y a des textes très structurants qui ont pu être adoptés pendant cette présidence, avec des négociations conduites un peu à marche forcée, je dirais. Je citerai en particulier la législation DSA, donc le Digital Services Act, bien sûr, et puis l'adoption du texte DMA, qui a pour objectif donc de limiter la domination économique, hein, des grandes plateformes numériques. Et puis un effort qui a été porté également dans le secteur numérique au soutien à l'innovation des acteurs émergents en mobilisant les acteurs institutionnels. Autre priorité, une Europe plus sociale. Je dirais deux textes importants dans le domaine de l'Europe sociale. La directive sur les salaires minimaux adéquats, qui était une avancée majeure, qui était compliqué, hein, une négociation difficile, et donc c'est un succès dont la France tire une grande fierté. Et deuxième succès, la législation sur les quotas dans les conseils d'administration des entreprises européennes, cotées en bourse, qui est donc une avancée très importante en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis donc, dernière priorité, une Europe plus humaine, et c'est sans doute
et peut-être dans le contexte de vos travaux et de votre dialogue avec les Européens, avec la société civile, un point qui est important et qui nous tenait beaucoup à cœur et sur lequel le président de la République s'était beaucoup engagé, qui est donc un élan fondateur hein, pour réfléchir ensemble et projeter l'Union européenne dans l'avenir avec la conférence sur l'avenir de l'Europe. Donc, c'est un exercice qui a rassemblé des centaines de milliers d'Européens, 700 000 participants hein, à travers toute l'Union européenne, qui a débouché sur plus de 350 propositions sur lesquelles nous sommes en train maintenant de travailler très concrètement au sein du Conseil pour voir précisément comment mettre en œuvre maintenant, comment donner corps à ces propositions. Alors, il y avait aussi les microfolies hein, qui ont été déployées à travers tous les pays membres, les États membres de l'Union européenne et dans les régions. Ça aussi, c'était un projet auquel nous étions très attachés. Et puis, aussi de mobiliser les États membres autour d'un service civique européen ouvert à tous les jeunes Européens de moins de 25 ans pour favoriser les échanges universitaires, l'apprentissage, les stages dans les entreprises. Voilà. Donc, on a aussi d'ailleurs, et ça c'était dans la filière justice affaires intérieures, renforcé la stratégie européenne de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc voilà, je dirais ce qu'on peut retenir à la fois en termes d'éléments de contexte dans lesquels cette présidence s'est déroulée, et puis des textes structurants et la manière dont nous avons eu à cœur de faire progresser donc, nos priorités et de les faire partager de manière à ce que ça devienne des priorités européennes. De ce point de vue, et je terminerai par là, nous avons vraiment extrêmement bien travaillé avec nos partenaires du trio des présidences, donc bien sûr avec la présidence slovène qui était juste avant nous, et avec la présidence tchèque et nos partenaires suédois. Donc on s'était mis d'accord, comme le veut la tradition hein, et le bon fonctionnement des institutions. Mais je dois dire que pour moi, c'était une très grande satisfaction parce que j'avais été associée à la préparation et au déroulé des présidences françaises et tchèques de l'Union européenne en 2008-2009, puisque j'étais diplomate d'échange au ministère tchèque de l'Union européenne, ministère tchèque des Affaires européennes, des Affaires étrangères pendant cette période. Et donc, c'était une première, hein, ce trio. Et donc, là, ça a été un grand plaisir pour moi de travailler avec mes collègues tchèques de l'ambassade tchèque à Paris, mais aussi, bien sûr, ensemble de nos partenaires pour préparer ce trio et ce programme qui nous a permis vraiment d'inscrire notre action dans une continuité. Et je dois dire que cette confiance et cette coopération, cette intimité entre partenaires de trio est vraiment très importante et nous permet de continuer le travail et de travailler dans la durée. Voilà, pardon d'avoir été un peu longue. Non, mais écoutez, je vous remercie. Voilà pour tous ces éléments. C'était très clair, très exhaustif. On est passé par toutes les priorités qui ont été abordées pour faire le bilan un petit peu de tout ce qui a été abordé durant cette présidence française. Donc, Madame Vineau, je vous remercie pour ça. On reviendra un petit peu sur votre partie en fin de conférence pour les différentes questions voilà, qu'on a réussi à collecter en amont de la conférence et durant le live. Voilà, si des questions arrivent. Voilà, je vous invite tous les spectateurs à poser vos questions. On essaiera d'en sélectionner quelques-unes en fonction de l'avancement de la réunion, si on a un peu de temps en fin de conférence. Comme vous l'avez mentionné, voilà, c'est à des trios de présidence, ce qui explique qu'il y a aussi une certaine continuité voilà, dans les priorités. Comme vous pouvez l'imaginer avec le titre de la conférence, la présidence actuelle, c'est la République tchèque qui la tient depuis le 1er janvier, depuis le 1er juillet pardon, 2022. Et le slogan officiel de cette présidence, elle ressort d'un homme, de l'homme sûrement un des plus connus hommes d'État tchèque, donc Monsieur Václav Havel, qui avait dit, enfin,
la phrase qui a été retenue, l'Europe comme une tâche. Voilà. Et on retient donc les cinq priorités qui mènent cette présidence tchèque, c'est évidemment la guerre en Ukraine, la sécurité énergétique, une défense commune, une résilience économique et la démocratie. Donc il y a vraiment une continuité sur la présidence française. Et je remercie Monsieur Thomas Schaubrack, voilà, d'être ici avec nous, donc première secrétaire de l'ambassade de République tchèque en France. Je vous donne la main, Monsieur Schaubrack. Bonjour, je vous remercie de vos paroles. Alors, comme Caroline Minois a déjà mentionné, c'est la deuxième présidence de la République tchèque au sein de l'Union européenne. La première date de 2009. Alors, c'était vraiment deux cas qui étaient tout à fait différents parce que c'était avant l'entrée de la traité de Lisbonne en vigueur. Alors, le climat et la situation en Europe à cette époque-là étaient différentes. Maintenant, 13 ans après, alors, nous entrons dans une autre Europe qui connaît les nouvelles problèmes qui face à la crise qui est sans précédent en Ukraine. Alors, nous avons, notre gouvernement a commencé à préparer cette présidence déjà en 2018. Alors c'était vraiment une période qui était assez différente de la période actuelle. La présidence est coordonnée par le bureau du Premier ministre, c'est-à-dire le Premier ministre a toute la responsabilité pour la coordination de la présidence. Comme vous savez, le programme du trio a été approuvé par le CAG le 14 décembre 2021. Et bon, le logo a été présenté le 15 juin 2022. Et le programme que je vous présenterai à quelques lignes a été formulé, a été présenté le 30 juin la même année. Alors, vous avez bien mentionné que la présidence tchèque se déroule sous la devise de Václav Havel, l'Europe comme la tâche. Vous avez utilisé la traduction qui est la plus juste parce que officiellement, on utilise la traduction l'Europe comme mission pour ne pas associer la présidence de l'Union avec l'école et les devoirs et les tâches. Mais bon, ce sont les mots de Václav Havel. Et comme la présidence française, les préparatifs de la présidence tchèque ont été touchés par la guerre en Ukraine. Et le programme de la présidence tchèque a été complètement modifié par cette guerre. Alors, comme vous avez mentionné, on a fait cinq priorités de la présidence. Alors, la première, c'était la gestion de la crise des réfugiés et la reconstruction de l'Ukraine dans l'après-guerre. Alors, c'était la nécessité et l'actualité qui a dicté la première priorité de la présidence tchèque. Puis c'était la sécurité énergétique. Le troisième pilier, c'était le renforcement des capacités de défense et la sécurité du cyberespace. Quatrième, c'était la résilience stratégique de l'économie européenne. Le cinquième, résilience des institutions démocratiques. Alors, la gestion de la crise des réfugiés, alors c'était tout à fait une nécessité au moment du début de la deuxième présidence tchèque de l'Union européenne, parce que notre pays a été, comme les pays proches de l'Ukraine ont été touchés par la vague d'immigration des gens qui fuyaient la guerre. Alors, à un moment, la République tchèque a compté presque 400 000 réfugiés ukrainiens.
Alors, le débat, c'était la répartition flexible de ressources financières de l'Union européenne pour aider les pays qui étaient les plus touchés par l'afflux des réfugiés, avec, en coopération des institutions européennes. Puis, c'était la priorité aux personnes les plus vulnérables, tout à fait en respectant les principes de solidarité, d'efficacité, de la flexibilité, et aux pays les plus touchés, les pays non seulement les pays membres de l'Union, mais aussi les pays voisins de l'Ukraine, comme par exemple la Moldavie, qui était gravement touchée par la guerre en Ukraine, et la reconstruction de l'Ukraine après la guerre, c'est-à-dire la reconstruction des infrastructures essentielles, les services de base, et le redressement et la stabilité économique de l'Ukraine. C'est-à-dire, l'ambition de la présidence est aussi de rassembler les donateurs potentiels et lancer en quelque sorte un plan Marshall pour l'Ukraine. L'autre priorité, alors, c'était la sécurité énergétique qui est maintenant une priorité de la. Peut-être une importance majeure. Vous savez, la présidence tchèque porte une immense attention à cette sécurité énergétique parce que bon, la République tchèque, comme les pays du centre de l'Europe, sont les plus touchés par à la fois la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, parce que la République tchèque prend presque 100% du gaz et du pétrole russe, ce qui n'est pas unique à l'Europe centrale. La Slovaquie, la Hongrie, l'Autriche sont dans la même situation. Alors, c'est le chantage énergétique de la Russie. Alors, ça représente le danger imminent pour l'Union. Alors, c'était aussi la mobilisation des instruments pour réduire les impacts socio-économiques, qui est l'augmentation des prix de l'énergie et les risques de pauvreté énergétique. Alors, vous savez, la République tchèque a déjà convoqué des conseils extraordinaires énergie. Il y aura le conseil informel d'énergie à Prague le 11 et 12 octobre, avec la participation aussi des pays du trio. Un trio associé, c'est-à-dire de la Géorgie, de l'Ukraine, de la Moldavie, mais aussi des pays des Balkans occidentaux, parce que pour nous, c'est la question de la première importance, parce que on a vu pendant la crise du Covid que surtout les pays des Balkans occidentaux ont eu l'impression d'être en quelque sorte abandonnés à leurs propres problèmes. Alors nous voulons écouter les problèmes, les peurs de ces pays du Balkan occidentaux et de les mettre à bord au sein des solutions européennes. Vous savez, la prochaine conférence énergétique aura lieu le 25 octobre aussi à Luxembourg pour trouver les solutions, parce que bon, on s'est mis d'accord que sur la réduction obligatoire des demandes d'électricité de 10% des heures de pointe, et le plafonnement des revenus du marché des producteurs d'énergie inframarginaux, et on s'est convenu à plafonner les bénéfices provenant principalement des énergies renouvelables, de l'énergie nucléaire, à 180 euros par mégawattheure, mais bon, il y a toujours des solutions à trouver. Alors, le problème énergie va occuper le reste de la présidence tchèque, j'en suis sûr. Bien sûr, il ne faut pas négliger la transition vers les énergies renouvelables et la décarbonisation
Les initiatives en répondant à l'IDOF, il faut réfléchir, sont aussi à l'agenda de la présidence de l'Union européenne. La troisième priorité, c'est la capacité des défenses européennes, c'est-à-dire nous voulons faire coopérer les systèmes militaires stratégiques, notamment lancer et approfondir le partenariat avec l'OTAN. Vous savez que le mémorandum OTAN-Union européenne sera signé dans les prochains jours. Et nous voulons aussi progresser dans les achats communs d'armes et de la coopération à long terme des États membres. La guerre n'est pas seulement la guerre qui se déroule en Ukraine, la guerre physique, la guerre se déroule aussi dans le cyberespace. Alors la stabilité du cyberespace, c'est aussi une des priorités de la présidence de l'Union. Le succès majeur de la présidence française, c'était, comme Caroline Guignot l'a dit et vous l'avez mentionné aussi, c'était l'adoption de la boussole stratégique. Alors, nous faisons notre mieux pour la mettre en œuvre et il faut diminuer bien sûr la capacité technologique et industrielle de l'Union européenne, surtout des pays qui ne sont pas les pays amis ou les pays qui ne partagent pas nos valeurs. Déjà, la crise du Covid a monté une certaine fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales et la perturbation des produits de base. Alors, le quatrième pilier de la présidence, c'est la résilience stratégique de l'économie de l'Union européenne. Il faut approfondir les marchés intérieurs, notamment dans le domaine des services numériques et de l'économie numérique. Et bon, il faut conclure les accords commerciaux et les accords d'investissement avec les partenaires fiables qui partagent nos valeurs. Et il faut renforcer aussi la compétitivité technologique de l'Union européenne. La cinquième, la dernière priorité, mais la priorité qui a une importance très grande, c'est la résilience des institutions démocratiques. Alors, il faut renforcer la résilience des institutions démocratiques et sauver les valeurs de la démocratie et de l'état de droit en Europe. Vous savez, dans la guerre hybride, alors la Russie, par exemple, utilisait tous les moyens, y compris le financement de certains partis politiques en Europe. C'est-à-dire il faut mettre une transparence dans ce financement et il faut renforcer le pluralisme des médias et le pluralisme des marchés médiatiques. En ce qui concerne la guerre contre la désinformation, alors il faut promouvoir l'esprit et les libertés de l'homme dans l'espace qui est hors ligne comme en ligne. Alors, il faut implanter les mêmes règles dans l'espace en ligne, ce qui était souvent abusé par les fausses nouvelles et la démagogie de tout bord. Alors, c'est en quelques lignes vraiment, pour ne pas abuser votre patience davantage, la présentation des priorités de la présidence tchèque, qui continue toujours. Je dirais le sommet en quelque sorte de la présidence a eu lieu hier, c'était dans la réunion de la communauté politique européenne au château de Prague, où on a pris le relais de la présidence française. On peut dire que ça s'agit d'un succès majeur parce qu'on a réussi à mettre à table
Les grands trois chefs d'État d'Europe, ce qui est remarquable. Et bon, c'était une occasion excellente aussi pour les réunions bilatéraux. La réunion bilatérale, par exemple, j'aimerais souligner bon, la discussion entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Turquie, qui se sont on a mis à une table. Il y avait même la discussion bilatérale de ces trois pays, ce qui est important et ce qui montre le devoir et l'importance de cet événement. Je vous remercie pour le moment et votre patience. Alors merci monsieur Schrobach, c'était pareil que madame Vino, très très exhaustif, c'est très bien, on est passé par toutes les priorités, on a mieux cerné, je pense, pour l'ensemble des spectateurs, un petit peu à quoi on devait s'attendre pour les 3 prochains mois, vu qu'on est à mi-mandat de cette présidence tchèque. Je pense qu'on va directement aborder la partie de questions, un petit peu questions-réponses. Voilà, c'est des questions qu'on avait collectées au préalable, voilà, qu'on avait annoncé la conférence auprès de nos adhérents, des questions qui étaient apparues plusieurs fois, donc qu'on a sélectionnées pour l'occurrence, mais aussi pour la pertinence. Au niveau du timing, on avait prévu une réunion sur 1 heure. On va peut-être aborder les questions directement ciblées sur la présidence tchèque et la présidence française. Chaque partie. Du coup, on va commencer dans l'ordre, donc la présidence française. Et une question qui était revenue, c'est quelle est pour vous, voilà, l'avancée majeure, si vous deviez en choisir qu'une seule, pour cette PFUE? Qu'est-ce qui a vraiment marqué cette présidence sur ces 6 mois? C'est un peu compliqué comme question, je l'avoue. Je crois que évidemment c'est compliqué, mais je crois que l'avancée majeure en fait qui à retenir, c'est qu'on a basculé, on a basculé presque dans une autre dimension, dans une autre époque, et finalement. C'est sous la pression des événements extérieurs, d'une part. Mais comme je le disais, finalement, ces événements extérieurs ont donné une résonance, ou plutôt une justification nouvelle, ou un éclairage nouveau, à ce qui était une priorité très forte de notre présidence, que le président de la République avait formulé dans la présentation du programme et des priorités de la présidence au Parlement européen, la souveraineté, l'appartenance, bon, la relance économique, ça je crois que on était sur un, on était sur, comment dire, on avait déjà beaucoup progressé hein, avec l'adoption du plan de relance post-Covid et du gigantesque plan d'investissement qu'on est toujours en train de mettre en œuvre d'ailleurs. Mais donc effectivement, pour moi, l'avancée majeure, c'est tout ce sur quoi les chefs d'État et de gouvernement, les ministres, les experts, l'ensemble des gouvernements et des administrations ont réussi à se mettre d'accord dans des temps records. Et qui permettent à l'Europe de répondre de façon unie, très déterminée, avec une réponse qui, je crois que l'ensemble des commentateurs, des observateurs, s'accordent à le dire, est très clairement à la hauteur du défi historique auquel notre continent est confronté. Alors, ça se traduit par les travaux sur la défense européenne, que ce soit la boussole ou les négociations en cours pour financer vraiment une base industrielle et technologique de défense européenne. Le fait que on est franchi, on se soit libéré finalement d'un tabou qui est qu'on peut financer, l'Europe peut financer et envoyer des armes à un État tiers. C'était inconcevable il y a 6 mois, enfin il y a 8 mois.
La décision a été prise en quelques jours et à l'unanimité. Donc il y a vraiment il y a un changement de logiciel, une conviction qu'ensemble, on doit répondre. Et qui, je crois aussi, elle s'inscrit dans la continuité des décisions qui avaient été prises pendant la crise Covid, notamment sur les vaccins. La conviction que l'Europe est l'échelon pertinent pour répondre à aux crises auxquelles nous sommes confrontés et qui sont vraiment d'une échelle tout à fait nouvelle par rapport à celle que nous connaissions dans le passé. Je pense évidemment, si on compare hein, la réponse européenne à la crise du Covid ou à la crise en Ukraine, qui est une réponse unie avec une mobilisation massive de moyens communs, on a vraiment un changement d'époque par rapport, par exemple, à la réponse européenne à la crise des réfugiés de 2015-2016, où tout le monde répondait en ordre dispersé et l'Europe incapable de se mettre d'accord sur une réponse commune. Donc ça, je trouve que c'est vraiment l'avancée majeure et elle se décline, bon, j'ai cité la défense, mais elle se décline sur, par exemple, l'accueil des réfugiés. C'était tout à fait inconcevable il y a un an que l'on soit en mesure d'accueillir sans difficulté majeure en quelques jours 8 millions de personnes et de les faire bénéficier d'un statut qui leur permet d'accéder au marché de l'emploi, à la protection sociale, à l'éducation pour les enfants. Voilà. Et ça s'est fait à l'unanimité en une journée. Donc je pense que c'est vraiment des évolutions comme ça. Bon, il y a évidemment toutes les décisions sur les sanctions, les décisions en matière d'énergie, qui nous ont fait vraiment basculer dans une dimension tout à fait nouvelle, avec une volonté politique commune, qu'il faut maintenant continuer. Et la présidence tchèque travaille vraiment très très bien dans cette direction et est très très déterminée dans cette direction. Il faut poursuivre cet effort sur le défi majeur auquel on est confronté aujourd'hui, qui est la question énergétique. Alors, je vous remercie pour ces éléments et je vais rebondir avec une question qu'on avait collectée et qui s'adresse pas forcément qu'à vous, Madame Vino, mais aussi à Monsieur Schrobach. Donc, si vous avez des éléments, voilà, je vous en prie. Voilà, ces menaces, on va dire, ces crises communes, ces crises à l'échelle du continent, à l'échelle des 27, auxquelles l'Union européenne fait face. Et cette réponse, ces réponses qu'on doit apporter avec ce vote à l'unanimité. Donc je sais que c'est quelque chose qui revient toujours, enfin qui est souvent cité par les citoyens. Est-ce que c'est vraiment pertinent quand on voit des blocages de certains États membres sur certaines thématiques, notamment même sur l'énergétique? Au début, il y avait eu même des États qui ne sont pas forcément réfractaires d'habitude, comme l'Allemagne, qui avait posé leur veto sur des sanctions sur l'énergie. Voilà, est-ce que le Conseil de l'Union européenne, est-ce que les présidences peuvent avoir un rôle, et est-ce que ce dossier est toujours d'actualité de changer ce vote à l'unanimité à peut-être une majorité? Ou est-ce que c'est toujours, enfin, est-ce que c'est relayé au second plan? Alors, je vous laisse la parole, je ne sais pas qui veut commencer. Je peux peut-être dire un mot rapidement, Thomas, si vous me permettez. Peut-être juste pour d'abord pour dire qu'effectivement, ça fait partie des propositions qui sont revenues hein, dans beaucoup de suggestions dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Union européenne. Donc, c'est un point qu'il faut traiter. Et de ce point de vue-là, notre coopération dans le cadre du trio est mobilisée, la présidence tchèque, mais je laisserai Tomáš en parler. Mais peut-être juste, je voudrais préciser que, en fait, il y a assez peu de décisions qui sont prises à l'unanimité au sein de l'Union européenne. Hein. L'unanimité, c'est essentiellement pour ce qu'on appelle l'intergouvernemental. C'est-à-dire que dans les traités, il y a la majeure partie des politiques
notamment des politiques internes de l'Union européenne, qui relèvent donc du communautaire, hein, et qui sont des domaines dans lesquels les décisions ne sont pas prises à l'unanimité, mais à la majorité, et la plupart du temps à la majorité qualifiée. En revanche, effectivement, dans les secteurs de la politique étrangère et de sécurité commune, notamment, ce qui explique, par exemple, qu'en matière de sanctions, on ait besoin d'unanimité, ce sont des domaines dans lesquels les traités, enfin les États membres en tout cas, n'ont pas voulu aller jusqu'au bout de la délégation de souveraineté ou de la mise en commun de la souveraineté. Et donc, les décisions sont prises à l'unanimité parce qu'on considère que ce sont des domaines dans lesquels s'exerce la souveraineté des États membres. Donc, effectivement, il y a des réflexions qui sont en cours et des travaux, notamment dans le cadre du suivi de la conférence pour l'avenir de l'Union européenne, sur certains champs décisionnels sur lesquels on pourrait évoluer et aller vers de la majorité qualifiée pour pouvoir débloquer certaines décisions. Mais je crois qu'il faut distinguer ce qui relève de décisions qui institutionnellement nécessitent l'unanimité ou la majorité qualifiée, et puis des décisions qui politiquement nécessitent un accord au Conseil européen de tous les États membres, et notamment des États membres qui sont les plus impactés ou les plus concernés, ce qui fait que bien souvent on recherche, notamment dans le cadre du Conseil européen, des décisions qui seront prises, alors peut-être pas à l'unanimité, mais en tout cas au consensus. Et ça, je crois que c'est une notion importante, la notion du consensus, c'est ce qui permet de construire au sein de l'Union européenne de l'assentiment, si je puis dire, et de construire cette intimité que nous partageons tous, que nous avons en commun entre tous les États membres, et qui fait que on n'a pas on est rarement dans une situation où des décisions nous sont imposées. Voilà. Merci. Peut-être Monsieur Schrobach. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce que Caroline a dit, c'est tout à fait vrai. Je pense que ce passage à l'unanimité ou à la majorité qualifiée, bon, ça sera bien sûr un chemin plus long parce que bon, il faut convaincre tous les pays européens, ce ne fera pas demain. Mais bon, il faut penser à l'Europe qui ne sera pas uniquement l'Europe à 27. Alors, il y a l'Europe qui va s'élargir tôt ou tard dans les Balkans occidentaux, à l'est de l'Europe. Et bien sûr, cette question s'imposera de nouveau avant l'élargissement possible. Je pense que d'abord, il faut aussi, avant la refonte même des traités, des traités fondamentaux, il faut utiliser le cadre juridique actuel, avancer où le cadre juridique actuel nous le permet. Ça, je vois que c'est important. Alors merci pour vos éléments sur cette question. Et bah aussi, on peut imaginer que changer de cette unanimité sur ces thématiques, là, une question peut-être plus dirigée vers la présidence tchèque, c'est aussi la refonte des traités qui avait été amorcée voilà, sous la présidence française, qui était un dossier qui a été porté voilà, avec importance. Et est-ce que ce dossier est toujours porté sous la présidence tchèque, ou est-ce qu'il a été totalement cessé à la passation? On a récemment fait l'enquête, alors on a demandé à tous les États membres de faire leur opinion. Alors ça, c'est toujours une question qui est importante, qui a une importance pour la présidence tchèque et pour l'avenir de l'Europe. Merci. Et une deuxième question sur un petit peu autre chose, en changeant de sujet,
sur quelque chose un peu plus de perspective. Vous aviez déjà évoqué un petit peu les priorités, toutes les priorités et tout ce qui a été évoqué déjà dans la présidence tchèque. Mais quels sont en fait les grands rendez-vous? Sur quoi va se concentrer les 3 prochains mois de la présidence tchèque et quelles sont les grandes étapes, grands rendez-vous de cette présidence? Sur la présidence tchèque voudra avancer dans différents dossiers. Peut-être je soulignerai le dossier de l'élargissement de l'Union parce que, il y a surtout la guerre, par exemple, a mis les Balkans occidentaux un peu dans l'ombre. Il y a quand même dossier où la présidence tchèque aimerait avancer si possible. Alors, c'est par exemple la légalisation des visas pour le Kosovo ou le statut du pays candidat à la Bosnie-Herzégovine. En ce qui concerne les autres domaines, je pourrais souligner notre volonté de progresser dans l'élargissement de l'espace Schengen, de faire entrer la Croatie, la Bulgarie, la Roumanie, ou bien faire un accord politique dans ce domaine. Par exemple, un événement qui nous attend. C'est au mois de décembre, c'est le sommet Union européenne-ASEAN. Même si on pourrait dire que géographiquement, l'espace Indo-Pacifique est éloigné de la République tchèque, alors c'est la République tchèque qui a sa stratégie pour l'Indo-Pacifique. Cet espace Indo-Pacifique. Une des priorités géographiques aussi de la présidence de l'Union européenne. Merci. Alors, merci. Encore une fois, j'invite les participants, s'ils ont des questions en live directement sur ce qui a été évoqué, de les poser. Je ne sais pas si j'ai accès à ceux des autres lives. Mais on va continuer du coup sur peut-être une dernière question. Je vois que sur le chrono, on a passé l'heure de jeu, on va dire. Plus sur une question un peu plus classique où à quel point on sait que sur la présidence française ça a été en plein milieu que la crise ukrainienne est arrivée avec la guerre en Ukraine, mais il y a aussi la crise en Géorgie, il y a aussi le dossier de l'Union pour la Méditerranée qui revient sur la table. Sur la question de politique de voisinage. L'Union européenne, la présidence se concentre sur l'Union européenne, mais aussi sur ses voisins, sur ce qui se passe autour. Mais à quel point toutes ces crises qui se multiplient récemment, à quel point ça impacte finalement les présidences, que ce soit la française ou la tchèque, et les futures à venir. Thomas, si tu me permets, juste un mot très rapidement. On a eu un agenda peut-être moins sur le voisinage sud pendant la présidence française que sur le voisinage est. Thomas faisait référence aux travaux sur les Balkans, aux avancées majeures. Sur l'élargissement de l'Union européenne aux pays qui sont actuellement qui participent au partenariat oriental. C'est vrai qu'on a été quand même pendant la présidence française plus mobilisé sur le voisinage oriental et les Balkans que le voisinage sud. Cela dit, les travaux continuent. On est dans une phase de programmation de l'instrument financier, le NDICI. Et précisément, je crois que c'est aussi la responsabilité des présidences, mais avec la Commission et le Service européen d'action extérieure, de veiller justement à ce que, lorsqu'il y a une forte attention politique sur une région, l'Union européenne continue aussi de travailler par ailleurs.
préserver ses coopérations, ses programmes et son engagement dans les autres régions du monde. J'ai mentionné le sommet Union européenne-Union africaine. Tomáš mentionnait la conférence ministérielle Indo-Pacifique. On a eu la réunion sur les Balkans. On a aujourd'hui, dans nos travaux sur le voisinage, notamment le voisinage sud, évidemment, l'impérieuse nécessité de les appuyer, d'accompagner ces pays dans l'amortissement, si je puis dire, du choc du conflit en Ukraine, avec les impacts que ce conflit a, notamment sur la sécurité alimentaire. Je dis bien l'impact du conflit, c'est bien la guerre en Ukraine et la destruction des infrastructures ukrainiennes, les mines dans les champs et la présence militaire en mer Noire qui complique, qui rend extrêmement périlleux l'acheminement des céréales ukrainiennes vers les pays du voisinage sud. Donc l'Union européenne travaille dans le cadre de l'initiative FARM et de ses soutiens à la politique de voisinage, des Solidarity Lanes, précisément pour débloquer l'acheminement des céréales qui sont principalement à destination de la rive sud de la Méditerranée et des pays africains. Merci, monsieur Schrobach, si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, c'est tout à fait vrai ce qu'il nous a dit. Je voudrais souligner, bon, c'est pas seulement l'espace Indo-Pacifique, c'est le Proche-Orient. La République tchèque, cette semaine, a mené à bien une conférence avec Israël. Alors, nous ne devons pas négliger les pays qui sont dans le voisinage, parce que dans le monde global, l'Union européenne, si elle veut être un joueur mondial, il doit avoir aussi une responsabilité mondiale pour les développements dans les autres pays. Alors, l'Europe, l'Union européenne ne peut pas se concentrer uniquement sur ces problèmes. Elle doit aussi être engagée dans les autres parties du monde, dans l'Amérique latine, en Afrique, bien sûr, l'influence de la Russie, de la Chine, notre influence, nos intérêts économiques, etc. Merci, oui, c'est sûr que toute cette. Ça reste quand même des priorités, même qui étaient prévues, établies, les connexions avec l'international, c'est quelque chose de majeur et on ne peut pas rester que sur le continent européen, évidemment. Écoutez, je vois qu'on a dépassé déjà d'un petit quart d'heure l'horaire prévu à la base, donc je vais clôturer cette conférence, voilà, en remerciant. Les intervenants, donc Madame Caroline Vineau et Monsieur Tomáš Schrobach, voilà, pour votre présence, c'était très clair, voilà, vos explications sur les deux présidences, voilà, tout ce qui a été les succès, le bilan, les succès qui ont été accomplis par la présidence française et ce qui a déjà été accompli, voilà, par la présidence tchèque, et on souhaite beaucoup de réussite pour la suite, voilà, pour les 3 prochains mois. Je vais peut-être ajouter que la prochaine présidence, c'est la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne. Je tiens aussi à remercier encore une fois, voilà, tous nos partenaires des centres Europe Direct et centres de documentation européens, voilà, qui ont cross-porté ce live auprès de leur public. Voilà, encore merci à tous de nous avoir suivis, et je vais clôturer cette réunion. Bonne journée, bonne soirée, bon début de soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir à tous.